voulais juste savoir comment ça allait se dérouler ma vie sentimentale prochainement. Ok. Il n'y a personne dans votre tête? Il n'y a pas un prénom que vous avez à me donner? Non, non. Non, il n'y a rien d'accord. du tout, justement. Non, mais je préfère demander avant pour... Oui, voilà. Oui, bien sûr. Non, j'ai personne en particulier, mais voilà, j'aimerais savoir si surtout je vais rencontrer quelqu'un. Vous êtes vachement méfiante, Nadia, hein, au niveau des rencontres. Hein. C'est pareil, vous avez pas mal... Malheureusement, je suis tombée sur des cas qui font qu'on devient méfiante par la suite, quoi. Ouais, c'est ce que je ressentais. Donc, on est vraiment dans le recul. Pourtant, l'opportunité que vous allez avoir de rencontrer cette future personne, c'est que ce sera aussi quelqu'un de bien. Pour moi, il y a une rencontre sérieuse, concrète, qui se met en place. Lâchez-vous quand vous allez rencontrer cette personne, parce qu'on me dit que ce sera la bonne personne et que vous ne serez plus déçu. Donc, je vous conseille vraiment de vous lâcher, de ne pas vous renfermer sur vous-même, ni de vous serrer. Lâchez-vous, ouvrez-vous. C'est vraiment un conseil parce que c'est ce que mes guides me disent et il faut vraiment vous lâcher, vous soyez déterminés et voilà, on réouvre son cœur et on fonce. Et pour moi, j'ai un prénom commençant par un S, alors on m'en dit pas plus, mais on me parle d'un S, Nadia. Donc vous, voilà, vous me tenez informé d'évolution si vous souhaitez bien évidemment, mais en attendant, voilà, une belle rencontre et surtout ouvrez-vous et lâchez-vous. Vraiment, les D'accord. conseils qu'on me dit. Et au niveau du travail, je suis intérimaire actuellement. D'accord. Et en fait, je remplace une personne qui, elle, ça ne va pas trop avec la direction. Et donc, on ne sait pas si cette personne va quitter son poste prochainement parce que ça se passe très, très mal. Et on m'a dit que si cette personne était amenée à quitter son poste, c'est moi qui prendrai la place puisque c'est toujours moi qui l'ai remplacée quand elle était malade et quand elle était en vacances. Et c'est vrai que ce poste-là est très très important pour moi. Et j'aimerais savoir justement s'il y a une possibilité pour ce poste-là. Mais pour moi, oui, vous allez récupérer ce poste à sa place. Oui, oui, Nadia. D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci infiniment. Bah, je vous retiendrai au courant alors. Merci. J'espère que ça marchera. Merci, au revoir.